Salut et bienvenue dans mon jardin. En réalité, ici, c'est un jardin privatif qui est mis à ma disposition et qui communique directement avec une petite forêt juste derrière. C'est ici que je viens tirer à l'arc, c'est ici que je viens tester régulièrement du matériel. C'est ici aussi que je filmerai les prochaines vidéos que je vais vous présenter, des vidéos un petit peu plus orientées, sorties dans la nature, puisque j'avoue que j'ai beaucoup regardé ces derniers temps les vidéos bushcraft et ça m'a donné l'envie. Des marches adeptes, c'est bien, le tir à l'arc, c'est bien, mais de temps en temps, je crois qu'il faut aussi pouvoir sortir, prendre le temps, profiter de la nature. C'est quelque chose qui est davantage dans la sphère bushcraft que survivalisme, mais je crois que entre le bushcraft et le survivalisme, il y a inévitablement des liens. Ce sont évidemment deux choses très différentes, mais le fait de se retrouver avec la nature, de pouvoir profiter un petit peu de la verte, c'est aussi quelque chose de très intéressant dans le cadre d'une démarche survivaliste. Je vais m'arrêter là pour la comparaison. L'objectif aujourd'hui n'est pas de faire une vidéo de définition et d'expliquer ce que c'est. Simplement, il me semble qu'il y a des liens. À la base, ma chaîne était conçue également pour accueillir des présentations et faire des petits comptes rendus, partager des petits comptes rendus de sortie plutôt orienté bushcraft. Et donc j'ai à cœur actuellement de pouvoir redévelopper cet aspect de la chaîne. Donc aujourd'hui, petite sortie, il fait beau, il fait pas très chaud mais il y a du soleil, c'est déjà mieux qu'hier. Donc on va en profiter, on va faire un petit peu de tir à l'arc. J'ai prévu de quoi manger dans la forêt juste derrière après. Donc j'irai certainement marcher un petit peu, histoire de grignoter un petit truc dans la verte. Un compte rendu de sortie un petit peu différent des marches adeptes. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Joli. Carbone avec des plumes, pas des plumes comme ici, avec des plumes en fer, avec une toile de sable et avec ça.
On n'a pas pu les froid, donc on les froidera maintenant. Alors là on a une conserve que j'ai réalisée il y a 3 mois environ, poulet, haricots, sauce piment, toujours délicieuse, la conserve était réussie. Et là du pain fait maison par un membre de mon clan, je viens d'aller le récupérer. Bon appétit.